Amina. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, c'est un peu compliqué parce que nous sommes deux entités. Il y a cette entité, le balafon chromatique, et il y a son serviteur, Baban Gagnec, devant vous. Nous avons tous deux des choses à dire, mais nous allons fusionner, ça sera plus facile. Alors, il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'on arrive nouvellement dans un village, alors en général, si les gens marchent sur un pied, eh bien, il faut commencer par marcher sur un pied pour être adopté, pour être accepté. Ensuite, peut-être, on pourra proposer un deuxième pied pour pouvoir être plus équilibré et avancer plus aisément. Oui. Et donc, avant de parler de réinventer les codes, eh bien, il est bien de parler d'intégrer les codes. Intégrer les codes. Tout à l'heure, le balafon chromatique vient de vous dire bonjour en plusieurs langues africaines. Il y avait le baolé, ensuite il y a eu le béti, ça c'est d'Afrique centrale, il y a eu le bassa, Afrique centrale, il y a eu le yula, le bambara, il y a eu le français. Alors, il est important de comprendre en Afrique, ce qu'on appelle balafon, généralement, c'est les xylophones. Alors, il existe des centaines de types de xylophones différents en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Et ils ne communiquent pas ensemble parce que chacun est accordé selon le mode ethnique auquel il appartient. Alors, on ne peut pas les mettre ensemble pour qu'ils jouent ensemble le morceau de façon juste. Alors l'idée de la création du balafon chromatique est venue pour concilier tous ces balafons, de sorte qu'en un seul, nous pouvons répertorier les modes des autres. Et donc, au lieu d'avoir des conteneurs de balafons différents, un seul balafon suffit. Il suffit seulement d'y appliquer les techniques et d'appliquer les répertoires des autres, et nous avons tous les balafons d'Afrique en un seul. C'est pour cela que l'invention du balafon chromatique est une invention majeure. Bravo au balafon chromatique. Merci. Je me permets de m'asseoir ici parce que j'ai une toute petite histoire à vous raconter. Alors moi, je suis né en ville, comme la plupart d'entre vous. Pas au village. Je n'ai pas eu cette chance. Oui, maintenant, pour moi, c'est une chance d'être né au village. Alors, j'ai grandi dans un univers où
Eh bien, dès mon arrivée, le Père Noël m'a bourré de cadeaux parce que j'étais très, 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 très gentil et très obéissant. Donc, tout de suite, le Père Noël m'a porté des cadeaux. Et c'était des instruments de musique, c'était des guitares, c'était des pianos, c'était des trompettes et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans cet univers. Au point que j'étais vraiment ce qu'on appelle un citadin dans mon enfance, et c'est comme ça que j'ai grandi. Au point que, au Cameroun, parce que c'est mon pays d'origine, mon pays natal, en 1984, par là, 1985, monsieur le directeur de la RTI, c'était encore les moments d'expérimentation de la télévision au Cameroun. Et c'était vraiment précieux d'avoir comme ça les premières images, tout le temps. On n'avait que 3 jours sur 7. À l'époque, il y avait le vendredi, le samedi, le dimanche, à partir de 18h jusqu'à minuit par là. Et il s'est avéré que c'était des moments vraiment très attendus, parce qu'enfin, on pouvait avoir de la télévision, on pouvait avoir des films, on pouvait avoir plein de choses. Et donc, le samedi était sacré, bien sûr. On attendait un film américain, on attendait un film français, on attendait un film, alors là, hollywoodien. Alors, un samedi soir, qu'est-ce que je vois à la télé? Eh bien, je vois un spectacle de marionnettes africaines. Ah. Dis donc, marionnettes africaines, un samedi aussi sacré que celui-là. Mais attends, ils nous ont gâché la soirée. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? C'était un spectacle Dieu chose de Were Were King Yepo. Elle venait de Côte d'Ivoire. Et elle présentait son spectacle. Et moi, je me suis dit, mais tiens, ils n'ont rien compris à la télé. Alors, quelques temps après, j'ai eu mon bac et je venais en Côte d'Ivoire pour mes études de médecine. Ça n'a pas marché comme je le pensais, avec beaucoup de micmacs, des grèves, de ceci, de cela. Alors j'ai continué ce que le Père Noël m'avait déjà donné dès mon enfance, parce que j'ai continué, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, c'était déjà des concerts scolaires et tout ça. Et je me suis inscrit en Côte d'Ivoire au conservatoire. Ensuite, j'ai intégré le village Kiyi, devenu aujourd'hui Fondation Kiyi Mbok, avec à la tête la reine-mère, Were Were King. Alors ce que je fuyais à l'époque m'a attiré au point que je suis devenu responsable musical du Kiyi Mbok plus tard et arrangeur maison du village Kiyi. J'ai découvert enfin le charme, oui, le charme de l'esthétique africaine, de cette panafricaine. Au point qu'au lieu d'avoir honte de mes valeurs, au lieu d'avoir honte de moi, je pouvais être fier et surtout je pouvais considérer cela comme mon gagne-pain. 5 ans plus tard, je revenais au Cameroun avec le Kiyi Mbok en tournée. J'étais un professionnel. Alors, j'arrive au Cameroun. Et bien sûr, là-bas, tout le monde pose la question, est-ce qu'on peut vivre de son art et tout ça? Bon, je n'ai pas répondu tout de suite, maintenant je peux répondre, parce que, en fait, la question est mal posée. La question est très mal posée. La question c'est, est-ce que vous nourrissez suffisamment votre art? Oui, parce que le nombre de temps que nous mettons pour devenir un ingénieur, le nombre de temps que nous investissons pour devenir un médecin, c'est autant de temps que nous mettons, c'est autant d'investissement, de sacrifice. Alors, pour juste quelques semaines de pratique, on se demande si l'art peut nourrir son âme? Non. À force d'y aller, à force de le perfectionner, à force de lui donner le meilleur de nous-mêmes, eh bien, il nous le rend bien. J'étais donc devenu un professionnel de la musique. J'ai découvert les xylophones, parce que j'étais pianiste à l'époque, arrangeur. Je n'étais pas encore tout à fait ce que je voulais.
Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, tiens, il y avait quelque chose à défendre, au lieu de défendre les instruments occidentaux, qui avaient déjà tellement de défenseurs, peut-être que nous pourrions, nous aussi, défendre notre art et défendre les nôtres. Alors je me suis mis depuis 1997 au balafon, en général, les claviers africains. De perfectionnement en perfectionnement, le balafon chromatique, je l'ai découvert par Warewale Likeng, qui a créé le premier spécimen, et moi, je m'y suis mis en tant qu'expérimentateur, et c'est comme ça qu'en 2001, j'ai pu mettre sur pied le balafon chromatique de 3 octaves de Fa 2 à Fa 5, qui est aujourd'hui reconnu par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Je suis donc devenu un inventeur. Merci. Alors ce balafon nous permet de parler. Dialecte, n'importe quel dialecte de l'Afrique, mais nous permet aussi de parler d'autres langues. Merci. Et ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Ça peut parler des langues comme celle-ci. Merci beaucoup. C'est alors que, donc, excusez-moi, je suis un peu, voilà, je sors d'une grippe, donc. Alors, c'est alors que, en 2001, je crée cet instrument qui est reconnu seulement à partir de 2007, comme étant une invention par l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et nous avons, à partir de ce moment, beaucoup de choses qui se passent, parce qu'en 2002, je valide effectivement ma recherche en formation continue à l'Université de Strasbourg. Ça s'appelle DEPS, Diplôme de Hautes Études et Pratiques Sociales. Et donc, je reviens au pays, en Côte d'Ivoire, parce qu'à partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Oui, le Cameroun devient le pays de naissance, mais la Côte d'Ivoire, mon pays de cœur, pays où tout se passe. Oui, merci. Et après, c'est donc le Grand Prix Triangle du Balafon en 2005 que je gagne pour la Côte d'Ivoire, le Grand Prix Assikasso au Mali. Ça a été la reconnaissance de cet instrument qui était considéré comme un instrument occidental. Je dis non, ce n'est pas parce qu'il a la gamme chromatique maintenant, c'est-à-dire les notes blanches et les notes noires d'un piano, que c'est une gamme occidentale. Non, c'est la gamme universelle dans le sens de conventionnel, tout simplement. Et donc, après le Grand Prix Triangle du Balafon, en 2005, on se retrouve au World Master of Arts and Culture en Corée du Sud en 2010, pour la Côte d'Ivoire également. C'était une distinction. Merci. Merci. Mais avant la Corée du Sud, le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire en 2008 m'a décerné une distinction. C'était le diplôme d'excellence pour le rayonnement de le rayonnement culturel de la Côte d'Ivoire à l'extérieur des frontières. Merci. En 2012, c'était le tour de l'UNESCO qui me faisait lauréat pour mon projet Amorce création d'une industrie culturelle autour des balafons en Côte d'Ivoire. Et c'est ce projet qui nous a permis de faire de la formation des formateurs. Alors aujourd'hui, nous avons à l'INSAC, Institut national des arts de la culture en Côte d'Ivoire, l'École nationale de musique, nous avons en pratique instrumentale le balafon chromatique aujourd'hui.
C'est vraiment un petit pas, mais un pas de géant. Oui. Alors, nous avons aujourd'hui donc le balafon chromatique en tant qu'une... Et c'est des enseignants qui ont été formés par nos soins. Et nous avons créé quelque chose que nous appelons le Big Band Balafon, parce qu'aujourd'hui, dans le Big Band Balafon, nous avons des hommes et des femmes, parité oblige, 10 hommes, 10 femmes, parce qu'aujourd'hui, les balafons concernent aussi les femmes et même les enfants. Plus besoin de faire un sacrifice, d'aller tuer poulet, d'aller tuer cabri. Non, 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 n'ayez plus peur de ça, on peut jouer ce qu'on veut là-dessus. Hein, dès qu'on arrive, un enfant, il prend le balafon, tout de suite, il fait... Vous le connaissez? Ah, merci. Alors, tout de suite, on peut le faire. On fait tout ce qu'on veut. Et il y a donc des femmes et tout ça. Et nous avons créé un festival international des balafons, qui sera à sa 4e édition en 2016, entre, si je peux me permettre, entre le 30 novembre et le 2 décembre à Abidjan, le Festival international des balafons. Et c'est un festival où nous déclinons tout en balafons. Nous faisons intervenir les meilleurs groupes du monde. On va faire d'Abidjan le rendez-vous mondial des xylophones. Et nous faisons venir des gens d'un peu partout, des grands artistes, xylophonistes et autres. Et nous déclinons leur orchestration en balafon, en général. Et donc, c'est vraiment... Nous allons communiquer, vous serez certainement au courant. Mais toujours est-il que... La plus-value dans cette affaire, surtout dans le parcours de ce citadin-là, qui a donc, à un certain moment, s'est rendu compte que, en fait, il n'était même pas déraciné, mais il était suspendu. Parce que lorsqu'on parle de déracinement, on parle d'une entité qui est enracinée dans un ancrage, déjà, avant. Mais lorsqu'on n'est même pas enraciné, on est tout simplement suspendu. Moi, j'ai été un suspendu culturel, comme la plupart d'entre nous, dans cette Afrique et même dans le monde. Parce que le monde est de plus en plus... On a des villes qui grandissent. Même dans les villages, aujourd'hui, tout se passe comme si on était en ville. On a des enfants dans leur berceau. Dès qu'ils naissent, ils ont des jouets tout de suite. Et lorsque vous actionnez le jouet, c'est la musique classique. Ils n'y peuvent rien. Même au fin fond des villages. Donc ça fait que quand ils grandissent avec des influences du monde entier, déjà, à la base. Alors ceux-là, pour peu qu'ils ne connaissent même pas comment ça se passe dans leur village, on ne pouvait pas leur dire qu'ils sont africains du fin fond de l'Afrique, ce n'est pas possible. Donc il faut recréer une nouvelle définition de soi. Et donc, comme le dit l'autre proverbe africain qui dit... que la raison de vivre d'un homme réside dans sa culture. Mais comment est-ce qu'on peut donc être, comment on peut donc vivre sans avoir une culture nette? Alors vient le moment, non pas de l'identification, mais de l'authentification. Il faut bien que je m'authentifie par rapport à quelque chose, par rapport à une quête personnelle née d'une prise de conscience. Et c'est comme ça que l'Africain se redéfinit, pas forcément selon un lieu donné ou une origine donnée, mais selon le tout monde, selon son vécu et selon effectivement ce qu'il aimerait apporter au monde entier. Alors, je ne sais pas si vous êtes content d'être là, présentez votre main si vous êtes content d'être là. Une main avec toutes les cinq doigts déployés. Et alors, je vous invite à un exercice. Essayez juste de plier le pouce. Alors, on plie le pouce. Alors, faites comme si vous n'aviez que quatre doigts et donc que vous utilisez votre main rien qu'avec les quatre doigts. Ce n'est pas simple. Hein? Maintenant, déliez le pouce. Alors, faites maintenant comme si votre main, parce qu'elle est effectivement guérie, vous êtes soulagé de quelque chose. C'est mieux, hein, avec cinq doigts. Alors, vous voyez, le monde fonctionne comme une main à quatre doigts, sans l'Afrique. Comme une main à quatre doigts, sans l'Afrique. Et comment est-ce que l'Afrique peut rentrer dans le monde sans intégrer les codes? Comment est-ce que le traditionnel joueur de balafon peut
communiquer avec le monde sans savoir comment ça fonctionne dans la convention musicale. Donc il y a un problème. Il y a un problème de communication parce que c'est un choix finalement de communiquer. Il faut des bases. Il faut des bases communes. On avance avec un pied comme tout le monde. On avance avec la norme comme tout le monde. Et ensuite, on propose d'autres choses qui peuvent être profitables, qui peuvent être avantageuses. Aujourd'hui, le plafond chromatique rentre dans tout dans toutes les possibilités de la musique. Nous avons des compositeurs aujourd'hui qui travaillent pour le plafond chromatique, tels que M. Detlef Kiefer. M. Detlef Kiefer il est à la retraite aujourd'hui, grand compositeur. Il était directeur du conservatoire de région du conservatoire de Strasbourg. Il a composé pour Balafon Chromatique. Alors, nous avons M. Pierre Charvet, qui est en ce moment directeur des programmes de France Musique, qui est un très grand compositeur contemporain qui compose pour Balafon Chromatique. On a de plus en plus de compositeurs qui composent pour Balafon Chromatique, de sorte que le Balafon Chromatique devient un instrument universel, comme tout ce que vous avez, comme le piano, comme la guitare, comme les autres instruments. On ne peut plus dire, cet instrument, il est purement africain, d'origine, bien sûr, et vous voyez la constitution, et voilà, c'est vraiment fait main, de façon artisanale, mais c'est un instrument devenu universel, tout le monde se l'approprie. Et c'est en cela que je vous dirais, vraiment, c'est pour nous une opportunité pour l'Africain, non seulement d'intégrer les codes universels dans le sens de conventionnel, mais aussi maintenant de proposer en matière de plus-value, de proposer, comme dans le cas d'espèce, le timbre du balafon dans toutes les musiques qui existent au monde. Maintenant, je n'entends plus la musique comme avant, j'entends la musique avec balafon et parfois j'entends l'absence du balafon. Parce que je sais que maintenant c'est possible de le faire. Et bien sûr, si on me pose la question de savoir si mon art me nourrit, alors je demanderai simplement aux personnes de suivre mon regard. Merci beaucoup. Babangan Nyek, inventeur du balafon chromatique.